Bonjour à tous. Hop. Je mets juste les choses comme il faut. Désolée, j'essaie de mettre Facebook en direct en même temps. Voilà. Coucou Karine, coucou tout le monde. Hop. Alors, je mets Facebook. Voilà. Hello Philippa, welcome. Aujourd'hui. Coucou Julie. Bienvenue à tous. Bonjour Karine. Hello Marie, super. Parfait. Et Manon, coucou Manon aussi. Coucou maman. Bonjour Sandrine. Bonjour Émilie. Wait for everyone to arrive. I'll go through all the things we'll need for this session. Alors, il faudra un crayon à papier ou un critérium. So a pencil. Donc si vous n'en avez pas, allez en chercher. Alors, je n'ai pas précisé parce que je me suis dit pour une question d'échelle. J'ai pensé à quelque chose qu'on aurait tous chez soi et j'ai pensé à une pièce de 1 euro. Donc, si vous en avez une, allez chercher une pièce de 1 euro ou de 50 centimes, enfin, voilà, cette taille-là. For the English speaking, I was trying to find something for the scale that everyone would have. So, I thought of a 1 euro coin. If you come from England, it's the same size as the 10 pence. So, if you can go and get that, it will just be for the size of the head. So that we all have the same size. Donc, pour ceux qui viennent d'arriver... Ah, j'ai pas prévu pour le Canada, par contre. Je disais, pour avoir la bonne échelle, j'ai pensé à une pièce de 1 euro. Donc, si vous n'en avez pas, allez en chercher une. Alors, pour toi, Christina, je sais pas trop quelle pièce correspond. Mais voilà, c'est une pièce assez standard. Je sais pas combien ça fait en dollars. Je vais dire mince. En plus, ça se trouve, j'en ai dans mon portefeuille. Non, mais je sais pas où il est. Non. Mais voilà, en gros, une pièce, quelle que soit la taille, une pièce moyenne de votre pays. Bonjour à tous. Donc voilà, donc on disait un crayon à papier, so a pencil and a coin for the scale. Ensuite, on a, comme toujours, la boîte à œufs, so the egg box to mix the paint. Si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser une assiette, même un bout de papier, voilà. If you don't have one, you can use a cardboard, a paper plate or a piece of cardboard. Et au niveau des couleurs, donc aujourd'hui, on va avoir besoin donc, de bleu, de deux teintes de bleu. So we'll need two types of blue. If you don't have the lighter one, you can mix it with white. Donc si vous n'avez pas la plus claire, vous pouvez mélanger avec du blanc. Pour l'avoir, on aura besoin de noir, de rose. Donc pareil, si vous n'avez pas de rose, vous mélangerez du rouge et du blanc. So we'll need some black paint and some pink. So if you don't have any pink, you can mix red and white.
Du jaune. Et c'est tout. Et un peu de vert aussi. Parfait. Donc, comme je disais, pour ceux qui viennent d'arriver, si vous pouvez aller chercher une pièce d'un euro, de 50 centimes, juste pour qu'on sache globalement, on fasse tous à peu près la même taille. So, for those who just arrived, if you can go and get a coin, 10 pence, or well, other currencies, I'm not too sure. Just so that we have the same size. Ah, coucou mamie! Il y a ma mamie qui me regarde, super! Voilà. Donc, je pense qu'on va pouvoir commencer. So, we're going to start. Alors, aujourd'hui, on va faire ce beau tableau. Une idée de ma nièce Eva. Merci, Eva. Donc, on va commencer par le crayonné. So, we're going to do this painting today. And we're going to start with the pencil. Alors. Est-ce qu'on peut mélanger de la gouache et de l'acrylique? J'ai un doute. Normalement, oui, parce qu'elles sont toutes les deux à base d'eau. Donc, normalement, on doit pouvoir les mélanger. Fais un test et puis, à mon avis, oui. À mon avis, c'est possible. Mais je ne suis pas à 100% sûre. Donc, on va commencer par le crayonné au crayon à papier. So we're going to start with the pencil. I'm going to use a marker so that you can see what I'm doing, but you use the pencil, don't use a marker. Donc, je précise bien, moi j'utilise un feutre pour que vous voyez bien ce que je fais, mais vous, c'est au crayon à papier. Hein. Attention, attention maman, pas au feutre. Alors, on va commencer avec notre pièce. So we're going to start with our coin. If you don't have one, it's fine, just roughly the size of a coin. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave, juste à peu près la taille d'une pièce. Et on va faire, donc on va le placer à peu près, disons vers le haut, à ce niveau-là, donc disons si on fait un petit carré en haut, dans le coin du carré du haut. So we're going to place it on the top of the canvas. Et on va faire le tour comme ça, donc bien au crayon à papier pour vous. So you go around your coin. So you do it with a pencil, not with a marker. Hop. Voilà. Et pour ceux qui n'ont pas fait les ateliers avant, quand vous avez fini, vous me mettez un petit pouce pour chaque étape. Et comme ça, je sais que je peux passer à l'étape suivante. And when you're finished, you can. Sorry, you can just write done, or if you're on YouTube or on Facebook, just put a like and I'll know that I can go to the next step. Donc on a fait notre rond. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Did everyone do it? Fabienne. Donc ensuite, on va l'allonger un petit peu. So we're going to, so really do very, don't press too much on the pencil. The idea is that it really has to be very fine. Donc n'appuyez vraiment pas trop sur le crayon, pardon. Et on va étirer un petit peu vers l'arrière comme ça. Donc faire une sorte d'ovale. We're going to pull it back to do a kind of like a little rugby ball. Et donc ça sera donc le visage de notre pan. So that's for the face. Voilà. Après, l'avantage du pan, c'est que si c'est pas exactement la même proportion, c'est pas grave. Ça c'est toujours beau, ça rend toujours bien. Donc vous inquiétez pas si c'est pas exactement comme moi, ça sera beau quand même. So the good thing with the peacock is that even if it's not exactly the same proportions as me, it will still look good. So don't worry if it's not exactly the same as me, it will still be fine.
Oui, c'est possible. Alors, on me demande si c'est possible de revoir les cours après. Oui, c'est possible. D'ailleurs, j'ai des gens qui l'ont fait, qui l'ont revu plus tard, qui l'ont fait. Donc après, ça sera disponible sur YouTube et sur Facebook. Donc je pourrai mettre les liens plus tard et vous pouvez le faire quand vous voulez. So someone asked if they can do this later, if it's because this is live, but it will also be available as a YouTube link and as a Facebook link as well. So if you don't want to do it later, if you want to send it to other people, feel free to do it. Merci, Lassis. Alors, donc pour continuer, on va faire le cou. So we're going to do the neck. Donc on va descendre ici à peu près droit, jusqu'à à peu près le milieu. So we're going to go do a straight line down to about the halfway down the canvas, so you can measure with your fingers. Vous pouvez mesurer avec vos doigts. Et on le fait remonter un petit peu comme ça. Ah, coucou mamie! Voilà. Est-ce que c'est bon? Is it okay for everyone? Feel free to tell me if it's too, if you're going too fast or not fast enough. Et n'hésitez pas à me dire si je vais trop vite ou pas assez vite. Ça dépend des étapes. Des fois, il n'y a pas de honte. Hop, alors. Ensuite, on va faire un autre trait sur le dessus. Donc, qui part du dessus et qui va faire l'autre côté du cou. Et on va le faire s'arrêter un petit peu avant. Tac, ici. So another straight, another line that goes down with a little curve and it stops a bit higher than the other one. Et ensuite, donc on va continuer ici. Donc une autre courbe en dessous. Et ici, une courbe au-dessus, comme ça. Une fois que c'est fait, on va descendre tout droit comme ça, enfin avec une courbe. So we're going to go down with a slight curve. And on the top, another curve here. Donc en haut, une autre comme ça. Est-ce que ça va pour tout le monde? It OK so far? C'est pas grave si le cou il est plus long, comme je vous ai dit. Il y a vraiment il y a plein de façons de faire les pans. Il y en a qui les font avec des coups très longs, d'autres des coups très beaucoup plus courts, des coups fins, des coups gros. Donc ça pose vraiment aucun problème. Hein. If it's not exactly the same, someone told me that the neck was too long. It's absolutely fine. Peacocks, you can do peacocks in lots of different ways. So you can do like a really fat neck or a thinner one, a long one. So there's absolutely no problem if it's not the same. Merci, mamie. OK, alors, ensuite, on va venir faire cette aile qu'on voit ici. So we're going to do this wing here. Donc, en gros, on va partir d'ici et on va faire une forme comme ceci.
un petit, petit je sais pas quoi une forme, c'est des bateaux. So for we're going to do this wing here. So you do this shape, wing shape here. So it doesn't go right to the bottom. It's kind of closer to the bottom than the top. Donc un peu plus proche du bas que du haut. Parce que ici, on va avoir cette bande bleue qui va passer. So we'll have this blue line going down. Et donc, pour l'autre, on va faire comme ça. Donc, pour l'autre aile, on fait un trait comme ça. Encore une fois, ne vous inquiétez pas si ce n'est pas exactement pareil. Don't worry if it's not exactly the same. Et une fois que c'est fait, on va faire donc toutes les petites... En fait, c'est comme des formes de gouttes qu'on voit ici, donc pour les plumes du paon. So then we'll do these shapes, which kind of look like drops of water, which represent the feathers. Et donc là, vous en faites aléatoire. Comme ça, vous laissez de l'espace entre chaque. Voilà, jusqu'en bas. Coucou Fred. Voilà, juste que je me fasse mes repères sur ma toile. Quand vous avez terminé ça, vous faites un petit bec ici. So then when you finish, you do a little beak here. Et ensuite, ici, on va pouvoir faire une forme un petit peu aléatoire qui est, parce que les paons ont toujours une sorte de tache blanche en haut. So we're going to do a shape which is can be whichever shape you like because peacocks usually have some white around the eyes. And then there's a black streak here. Donc voilà, après, donc en fait, les paons, ils ont du blanc comme ça et ils ont du... Je vais le rapprocher un peu. Et ils ont une petite bande noire qui passe. Donc ça, pareil, ça, c'est pas très grave si c'est pas exactement pareil. On pourra juste après rajouter du blanc. Vous n'êtes même pas obligé de le faire au crayon papier. Mais voilà, on saura qu'il y a du blanc en haut et en bas et du noir au milieu. So you don't even need to pencil it out if you don't want to. We'll just need to know that there's white on the bottom and the top and a black streak in the middle. Donc voilà, je vous laisse ça comme ça. Et moi, je vais faire mes repères parce que je ne les ai pas fait sur ma toile. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Est-ce que ça va pour tout le monde? Is everyone okay?
This was the hardest part. Ça, c'était le plus dur. Donc, c'est bon. Super. J'attends encore un petit peu. Alors, on va passer à la suite. Alors, je vais laisser ça sur le côté. So, next part, we're going to start with the painting. Oui, donc on va commencer par le fond. So, we're going to start with the background. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre... Non, en fait, pardon, on va commencer par le bleu clair. On va commencer par le bleu clair. So, we're going to start with light blue. Donc, moi, j'ai celui-ci. C'est un peu turquoise en fait. So I've got this one, which is turquoise. If you don't have any light blue, just use primary blue. There's this one and mix it white. Donc si vous n'avez pas de bleu ciel, vous prenez du bleu primaire et vous mélangez avec du blanc. Donc je vous laisse faire ça. Soit vous mettez votre couleur. Après les couleurs, c'est comme toujours, c'est comme vous voulez. Si vous voulez faire d'autres couleurs, si vous voulez faire du bleu. Plutôt du vert ou du ce que vous voulez. C'est vraiment très libre. Voilà, moi j'ai mis à peu près cette quantité-là. Ça va faire this much paint. Et je vais utiliser un pinceau... assez fin. I'm going to use a paintbrush, which is quite thin. So this is the one I'm using. It's a number 3. So for people who have numbers on their paintbrushes, it's number 3. J'utilise celui-là, c'est un numéro 3. Bon, pour ceux qui ont des numéros sur, sur les pinceaux. Voilà, c'est de cette taille-là. Vous voyez, par rapport à la toile. Et donc, on va venir prendre le bleu ciel, et on va le mettre sur tout l'intérieur de, du corps, et pas sur l'extérieur, en fait. On laisse un petit espace. So, we're going to put it, I'll show you on this one. We're going to use the light blue on the inside, but not on the outside. Donc, on laisse un espace blanc à droite et à gauche. So, you leave a white streak on each side, okay? Que là, vous voyez peut-être pas trop mes repères. Donc, on va commencer là. Donc, on vient jusqu'au-dessus de la tête. On passe au-dessus du crayon qu'on avait fait pour la tête. So, you start right at the top. You go over the first pencil that you did for the coin. Et on reste bien au milieu. You stay in the middle of the neck. Don't go to the sides. Ça nous permettra de faire un beau dégradé après avec un bleu plus foncé. Donc, on va passer entre les ailes. You go down between the wings. So, right down here. On va descendre en dessous de l'aile. So, underneath the wing. Et ensuite, on va venir faire des petites bandes entre les gouttes. So then you come between each little drop. And the same, leave a bit of room. Slower, okay. Je vais aller un peu plus doucement. I'll go a bit slower. Alors, je recommence. On commence du haut. So we start on the top of the head, so here. Allez, on descend. Donc, on fait bien tout ici, au-dessus aussi. So, over on the top as well. Voilà, donc bien au-dessus. On laisse un espace en haut, sur le côté.
So leave a bit of room on each side. On descend dans le cou. So you go down the neck. Ensuite, quand on arrive ici, on va aller entre les deux ailes. So between the two wings. Like this. Une fois qu'on a fait entre les deux ailes, on passe en dessous. So, underneath this wing. Voilà. Ensuite, ils se rejoignent. So, you make them, join them together. Et donc ensuite, tu fais toute la tête sauf le blanc et noir. Oui, toute la tête. Sauf les, je veux pas les bords. On laisse un petit peu de place sur les bords pour le bleu foncé. So for the head, you do the whole head except the white and the black, but you leave a bit of room so that we can do the darker blue on the sides. Et donc là, on fait des petites lignes qui descendent entre les gouttes. So little lines that go down between the drops. Et vous les collez pas aux gouttes. Hein. Pour l'instant, on reste bien, bien loin. So don't put them too close to the droplets. You see, on this one, I'm going like this. Je fais comme ça. Donc vraiment, vous vous approchez pas trop des gouttes. Vous restez bien au milieu. So stay in the middle. Là, c'est très pour toute la partie de la queue, c'est très intuitif. Donc, c'est pas grave si c'est pas exactement pareil. Vous pouvez choisir de mettre d'autres couleurs. C'est l'occasion de faire quelque chose d'assez artistique. So for all this part, the tail part, you can do it quite artistic. It's not a big problem. It's not exactly the same as me. You can use different colors. You can do it more sketchy. It's really up to you. Voilà. Et quand c'est bon, vous mettez un petit pouce ou vous me dites OK. And when you're finished, just give me a little thumbs up or say so on YouTube. Pour ceux qui ont déjà fini, vous pouvez commencer à préparer votre rose. So for those who are already finished, you can start preparing your pink color for the background. Donc c'est pour le fond. Et encore une fois, si vous voulez pas faire de rose, vous pouvez faire la couleur que vous voulez. Hein. C'est les couleurs que j'ai choisies. Mais if you don't want to use pink, you can use any color you want. This is just the color I chose. Et donc, pour rappel, le rose, c'est avec du rouge et du blanc. Alors moi, d'ailleurs, je ne rajoute pas d'eau en général quand je peins. Mais là, je vais en rajouter un peu pour le fond, pour que ce soit plus fluide. Donc, I usually don't add water when I'm painting, but to do the background, I'm going to add a bit of water because it will be easier. Hop, donc on va se faire notre rose. Donc pareil, quand on fait un rose, on met un petit peu de rouge et plus de blanc que de rouge au niveau des proportions pour que ça fasse un rose un peu pâle. So when you're doing the pink, you use more white than red so that the pink is quite pale.
Et on va utiliser un pinceau moyen. Ou gros, comme vous préférez. Moi, je vais utiliser un numéro 6. So for the background, I'll use a larger paintbrush. This is number 6. Et donc, on va mélanger le rouge et le blanc. I'm going to mix the red and the white. Et pour ceux qui ont déjà du rose, pour ceux qui ont des filles, vous avez sûrement un tube de rose, c'est pas la peine. And for those who have daughters, you probably already have a tube of pink, so you don't need to mix. It's actually a bit pinker. Il est plus rose que ça hein, sur en vrai. Là, il fait très pâle, mais en. Donc, vous pouvez rajouter un petit peu d'eau. You can add a bit of water, not too much. Ok, alors moi, voilà le rose que j'ai. Donc, j'ai rajouté de l'eau. So, this is the pink I got. I added some water so that it's a bit creamier. It's a bit like cream. Et juste à côté, je vais préparer tout de suite le jaune. So, I'm going to add the yellow because we're going to blend them in together. So, we need to have them ready at about the same time. Donc, comment on va faire un dégradé? On prépare le jaune tout de suite. Donc, moi, j'ai un jaune cadmium moyen. Ah, on a le verdict. Gouache plus acrylique, c'est pas super. Bon, ben voilà, maintenant on sait. Donc, ne mélangez pas la gouache et l'acrylique. Et donc, on va mélanger le jaune. Moi, je vais le mettre un peu de blanc avec pour qu'il soit plus pâle. So, my yellow, I'm going to add a bit of white so that it's a bit. J'aime bien mélanger les couleurs, comme vous pouvez voir. Voilà, en proportion. So, I added some white and some yellow. Vous allez prendre un autre pinceau moyen. So take another mid-range paintbrush. This is a number 4, but number 4, 5 or 6, it's fine. Et vous les mélangez. Surtout, me dites si ça va pas ou si ça va trop vite ou n'hésitez pas. Et pareil, on rajoute un peu d'eau. And we add a bit of water as well. Et quand vous avez tout fini, vous avez fini de préparer ces deux couleurs, vous me le dites et on passe à la suite. And when you finish preparing the two colors, you tell me, and then we'll move on.
Et faites vraiment selon votre sensibilité pour la couleur. Là, c'est en général la couleur, c'est très personnel. Donc, quand vous trouvez que c'est bien, vous arrêtez, vous dites au niveau de la teinte. So for the color, just it's very personal. Our sensitivity to color. So just use whichever you want. So mine. To me, this is the right one. Donc pour moi, c'est le bon, celui-là, le jaune et le rose. Alors, les pinceaux brosses, ça marche aussi. Pour faire le fond, c'est plus facile avec un pinceau comme ça. J'ai un trou sur comment il s'appelle. En gros, il y a ces deux types de pinceaux. So there are two types of paintbrushes. There are these ones which are thin and these ones which are square. I can't remember the name. Pour le fond, si vous avez, c'est mieux d'utiliser un pinceau comme ça, large, mais si vous avez que cela, c'est pas un problème. Il y a vraiment, ça marche aussi. So, to do with the background, it's better to use these kind of paintbrushes, but if you've only got those, it's fine as well, you can still do it. Donc voilà, en préférence ça, mais si vous en avez pas, il y a pas de problème. Alors, quand c'est bon, on va venir faire le fond. Alors, je préviens tout de suite, parce que je sais qu'il y en a qui me regardent, qui sont perfectionnistes. Vous inquiétez pas. Si ça fait pas exactement pareil, si ça fait pas un super dégradé, c'est pas grave. Ça fait vraiment joli aussi, même si c'est pas bien mélangé les uns aux autres. Il y a pas d'erreur possible quand on est sur un dégradé. Donc, on se détend maintenant. For those who are already freaking out about this, don't worry. There's no right or wrong when you're blending colors together, even if it's not, it doesn't look as smooth as this one, or if it's a bit, it's fine. There's really no right or wrong. So don't worry. Donc, est-ce que c'est bon pour tout le monde? Is it okay for everyone? Is everyone ready? Ok, alors, so if it's okay for everyone, we're going to start. Donc, on va commencer en haut et en bas. Je vais enlever ça, hop. Et on va faire des bandes comme ça, des bandes horizontales. So, we're going to smooth it horizontally. En haut et en bas. So, on the top and on the bottom. Et bien sûr, on s'arrête au niveau de la queue. And you stop, obviously, before the tail. Donc, vous pouvez soit le faire aller jusqu'à votre trait, ou vous pouvez laisser un petit écart de blanc, si vous préférez, autour du pan. You can either make it go right to your pencil, or you can leave a bit of white, as you wish. Donc, voilà, une petite bande comme ça. Au niveau de la taille, c'est... On s'arrête au-dessus de la tête. So, you stop above the head, approximately this far from the head, donc à cette distance-là de la tête. Vous essayez de faire la même taille en haut et en bas. Et donc là, assez rapidement après, pour pas que ça sèche trop, on prend le jaune. So, quite quickly, because before it dries completely, you're going to take the yellow. Attention, on va commencer au milieu. We're going to start in the middle. So same horizontally. Hop. On le fait correspondre de l'autre côté. So the same on each side. Et de toute façon, si ça vous convient pas, vous pouvez toujours le retoucher après. If you don't like what you did, or if it's not what you wanted it to be, you can always come back to it later once it's dried. So,
Voilà, donc là on remonte. Et là, on va faire se rencontrer. Alors, non, déjà, on va faire le jaune du bas, parce qu'après, une fois que vous aurez touché le rose, vous ne pourrez plus faire le jaune pur. So, finish all your yellow before you start blending with the pink. Donc, on finit tout. Bon, là, on s'arrête là. Et voilà. Donc, là, on a fini tout le jaune. So, we finished all the yellow. Et on va venir les faire se rencontrer. Donc, on continue à tirer comme ça. Hop, on remonte dans le rose. So, you go up into the pink. Donc après, si comme moi, le rose, il a déjà séché parce qu'il fait chaud, vous allez venir prendre votre rose. So if the pink is already quite dry, like me, because it's quite hot here, you come and get some pink et vous redescendez comme ça et vous remélangez avec le jaune. N'hésitez pas à rajouter juste de l'eau aussi, juste avec un peu d'eau. You can add a bit of water. Blend them together. Donc voilà, continuez à les mélanger. So keep blending. Et voilà. Et quand c'est bon, vous me dites. Est-ce que ça va pour tout le monde? Is everyone doing Vous pouvez aller sur les bords aussi si vous voulez. You can paint on the sides as well if you want. Ah super, c'est beau, merci. Parfait. C'est beau, c'est bon. Pas de soucis, prenez votre temps. There's no rush.
C'est un petit peu technique de dégrader, donc pas de problème, on prend le temps qu'il faut. Et ouais, bah c'est le problème de l'approvisionnement en ce moment. C'est pas grave, ça sera très beau, sera une version originale. Mais oui, c'est sûr que là, j'aimerais mieux vous conseiller pour l'achat de matériel, mais il n'y a pas trop pas trop de magasins ouverts. Donc pour ceux qui ont terminé, on peut commencer à préparer la prochaine couleur. Et ça sera du bleu foncé. For those who are already finished, we can start preparing the next color, which will be dark blue. Bleu primaire, en fait. So, primary blue, actually. Maroc, ah bah ouais. En même temps, je crois que là, en ce moment, c'est un peu partout pareil, hein. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Mais c'est chouette que vous puissiez participer quand même. Parce que je sais qu'il y en a qui auraient bien aimé, mais qui m'ont dit qu'ils n'avaient pas de peinture. Donc, voilà. Enfin. Donc j'ai mon bleu ici. So I've got my dark blue, primary blue. Je vais prendre un pinceau fin. I'll take quite a thin paintbrush. This is a number 3 with a thin pointy end. Donc j'aime bien celui-là parce qu'il a une pointe au bout.
donc c'est un peu plus facile pour faire les bords. Encore une fois, faites avec ce que vous avez. Vous pouvez rajouter un peu d'eau avec la peinture pour qu'elle soit un peu plus facile à appliquer. You can add a bit of water to the blue paint. Et donc là, on va venir faire tous les bords du pan. So we're going to do all the edges that we left white previously. Ah, cool, Karine. Donc, si ça déborde, c'est pas très grave. Si ça déborde sur le bleu, c'est pas très grave. Ça fera joli. Donc, en haut de la tête, on descend. So you start on the top of the head. Go down. Oops. Ah. Alors, quelqu'un me demande de réexpliquer le dégradé. Je vais juste réexpliquer vite fait. Someone's asking me to explain the background again. Non, pas de souci, pas de problème. N'hésitez pas à demander. Hein. Donc, vous avez fait le rose, c'est bon. Faut préparer du rose et du jaune. Une fois que vous les avez préparés, vous commencez par appliquer le jaune. Enfin, non, pardon. Vous commencez par appliquer le rose. Donc, une bande de rose en haut et une bande en bas avec un pinceau, donc pour le rose. Ensuite, avec un autre pinceau pour le jaune, vous appliquez le jaune au milieu exclusivement. Déjà, vous ne le faites pas toucher le rose. Vous allez peindre, voilà, une grande bande comme ça, jaune. Et une fois que vous avez fait le jaune, vous allez les faire se rencontrer, donc toujours avec le même pinceau jaune. Donc vous le faites se rencontrer les deux couleurs, donc il faut le faire assez rapidement pour que le rose soit pas sec. Donc vous mélangez un peu comme ça, toujours avec des bandes horizontales, bien rester sur l'horizontale. Et comme ça, ça va vous faire un petit dégradé. Donc après, si le rose il est déjà un peu sec, vous pouvez réutiliser votre pinceau de rose et venir remettre un peu sur le jaune. Et voilà, vous faites ça jusqu'à ce que ça vous semble approprié au niveau du dégradé. Moi, je l'ai fait descendre jusque-là à peu près. Et n'hésitez pas à rajouter de l'eau aussi quand vous faites le dégradé pour que ce soit plus fluide et plus facile à mélanger entre les deux. Est-ce que c'est bon au niveau de l'explication? N'hésitez pas hein, si c'est pas clair. Vous l'avez appliqué, ok. Bah du coup, le rose. Et puis ensuite, on fait se rencontrer les deux. Alors, je continue du coup. Donc, on descend le bleu. Hop. So, you take the blue, make it go down. Blend it a bit with the lighter blue. I mean, it's dry, but you don't have to do a straight line, you can do little brush strokes like this. Donc vous n'êtes pas obligé de faire une ligne bien droite. Vous pouvez un peu faire des petits coups de pinceau pour qu'ils se rencontrent tous les deux. Bon, ils ne vont pas, se mélanger parce que le bleu est sec, mais voilà, des petits coups comme ça. So lots of little brush strokes. Et ensuite, on va venir souligner chaque goutte. Thanks Chloe, hi. Donc pour chaque goutte, on va venir faire un trait de bleu foncé en dessous comme ça. So for each of the little drops, you go and put some blue paint underneath like this.
Voilà. Et vous mettez aussi sur les côtés et un peu au milieu. Donc là, pareil, c'est très libre. So, do it very freely around the little droplets. Donc hop, on les souligne un peu. On tire un peu la peinture pour que ça rencontre notre bleu. So you can, when you don't have much paint left, you can make it blend onto the pale blue. Hop. Et comme ça donne une impression de relief. And the whole idea is that it gives the impression that they're sticking out. Et sur les côtés, and on the sides as well, to finish. Et vous me dites quand c'est bon. Et je vous donne aussi une astuce de peintre. C'est quand vous peignez et que vous voulez boire, vous prenez une bouteille d'eau. Parce que sinon, moi je fais souvent ça. Et ça, c'est pas bon parce que c'est l'eau de la peinture. je parle d'expérience. Ça m'est déjà arrivé de boire l'eau de ma peinture. Tu peux réexpliquer le côté des yeux. Alors, on va mettre la peinture en dessous. Hop, attends, je rapproche. En dessous de chaque œil. So the paint goes underneath each. Enfin, les yeux, c'est les gouttes hein, dont tu parles. Donc, si c'est le cas. Donc, on met bien en dessous de chacune des gouttes. Artist struggle, totally. Donc voilà, en dessous de chacune, un petit demi-cercle comme ça. Et puis pourquoi pas tirer un petit peu la peinture. Je vais vous montrer un gros plan du tableau. I'll just show you a closer. Donc voilà, vous voyez, c'est pas hyper net, c'est juste en dessous. Après, je tire un peu la peinture. So it's not very precise, it's lots of little brush strokes, because that's what looks pretty, well, in my opinion. It's when there's lots of things happening, lots of little brush strokes, lots of different colors. Parce que moi j'aime bien, c'est ça que j'aime bien, c'est quand il y a plein de petits coups de pinceau, il y a plein de dégradés de couleurs différentes, c'est là où ça devient intéressant, je trouve, au niveau de la peinture. Donc voilà. Est-ce que c'est bon, Julie? Alors sur Facebook, ça va juste bouger un peu parce que faut que je branche mon portable, j'ai plus de batterie. Alors, pardon. Sorry, I just need to plug in my phone. Hop.
Dites-moi si vous voyez à l'envers, si je fais comme ça. Oui, j'imagine. Ah, vite. Attends. On ne peut pas faire pivoter. Ah non, on ne peut pas. Ok, pardon. Pardon pour les mouvements. Ok, voilà. Voilà. Sorry, désolée. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Is everyone okay? Et si c'est le cas, vous pouvez préparer la prochaine couleur, c'est le noir. Donc noir, ben, il n'y en a pas 3000, hein, il n'y en a qu'un, c'est le noir. So, you take some black paint. Non, pas fini. Ne vous inquiétez pas, on attend. Ce qu'on finit, vous pouvez préparer la peinture noire.